Qu'est-ce que t'as mis, étoile? Chut, mec, c'est un foreshadowing pour les premiers viewers qui écrivent. J'ai mis un code d'un skin de Riot Partner parce que j'ai trop la flemme de les faire gagner. Oh, vas-y, je le prends! Avec le délai, je l'aurai avant! C'est un skin pourquoi? C'est un skin pourquoi? C'est Rek'Sai, mec, Rek'Sai. Oh, vas-y, ok, oh, je le laisse pour quelqu'un. Quelle erreur, quelle erreur, quelle ignoble erreur tu as fait. Oh, quelle erreur vous êtes tous en train de faire. Top top différence. Différence de top laner. Différentiel. Là, je vais pas voir son projectile. Faut que je fasse un peu des zigzags. Oh bordel la pute. J'ai l'impression de porter l'univers sur mes épaules. Mais l'univers est trop lourd. Ok, un Gragas jungle. Putain, mais j'ai l'impression que ça revient ce pic, la Gragas. Ça existait plus. J'ai la sensation qu'il y a une mode autour du Shem Tank. Et que du coup, les pics capables de bien l'utiliser reviennent également. Et que des pics qui ne l'utilisaient pas se mettent à l'utiliser. Comme Akali Shem Tank. D'ailleurs, Akali Shem Tank, il faut vraiment que. Je sais pas, il faut que l'ONU fasse quelque chose. C'est pas normal. Faut que les hauts dirigeants y prennent des décisions contre ça. Ouais, elle maintient une telle distance de haut. Oh. J'allais dire, elle maintient une telle distance de sécurité, mais au moment où j'ai dit ça, elle a fait le petit incident. Le Tryndamere incident en top lane. Le réalise. Premier sang. 1v1. Solitaire. Solo bolo. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Ça, c'est pour mes Aldères du Brésil. Pour tous les Aldères. Oh oh, le Garen incident. Ah, il ne faut pas passer les buissons contre un Garen feed. Sinon le Garen incident arrive. Oh t'as les nerfs. Oh t'as les nerfs, tu me détestes. Oh tu me hais. Je sais que tu me hais là. Et en plus je te zone. Je vois ça. Oh chap. Gros, je l'ai encore fait hier, je te jure. Encore crié dessus. Bro, quand t'es en 3v1, que c'est un free kill des plus totales, que le mec tu pourrais le tuer avec une auto, mais que tu le butes à l'ulti avec Garen. Genre, et qu'en plus un tu te fends d'un. C'est vraiment trop bien. En fait, c'est un peu comme si, tu vois, il y avait un panier de basket, mais le panier de basket, il faisait 50 cm. Et que je prenais la balle à deux mains, et que je faisais mon meilleur dunk en hurlant, tu vois. Tu mets un truc dans la conve, j'ai dit rien de plus. Est-ce que c'est stream friendly? Non. Bah, ok, bah, j'ai pas envie de l'avoir en stream. Moi, ouais, je l'ai vu, j'ai envie de le dire. Je vais le dire, je vais le dire. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est trop... La gueule de l'ambiance. Oh, ça, c'est de l'ambiance pour le gaming, ça. Putain, faut qu'on proc. Oh, c'est quand qu'on joue, frère, je vois. Ah oui, ouais. J'aimais trop un monde sans Darius et sans Vayne, comme ça je pourrais jouer Garen à toutes les games toute ma vie. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Depuis que je restream du League of Legends, je me suis rendu compte d'un problème avec ce jeu. Les temps de Q et les dodge. Voilà, 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 voilà. Là, tu vois, mon live, il est lancé depuis 12 minutes. Là, j'aimerais bien être en train de jouer un jeu vidéo depuis 12 minutes. Là, ça fait 12 minutes, temps de jeu, zéro. Y'a pas d'avenir sur ce jeu vidéo, regarde, le jeu est mort. Yeah, 12 minutes pour une normal game, pour s'amuser avec ses amis, tout ça pour qu'elle soit potentiellement dodge. Le jeu est vivant. Non, non. Pourquoi j'étais pas streamer quand c'était la saison 1 et que je faisais 2000 normal games par saison avec mes potes? Là, il y aurait eu du contenu. Non mais Orax a 35 ans, il répète caca de manière non délibérée et ça ne choque personne. Il est beaucoup plus jeune que ça, mais je ne sais pas quel âge il a. J'ai 22, je l'ai déjà dit 15 fois. Oui, bah je m'en branle, t'as que je retenais ton âge, je m'en bats les couilles de toi. Écoute-moi bien, Eldayat. Ouais. Oh. 17 minutes de live, temps de jeu, 0. Ton skin al day, il est tellement... Putain de OG Garen, la saison 1, on la représente. Monsieur Wills, pourquoi vous n'étiez pas au lycée hier? Je n'étais pas en cours car je joue à League of Legends. Et monsieur Wills, pourquoi vos parents vous disent rien? Mes parents ne sont jamais à la maison. Et voilà le résultat maintenant. Regardez comment je suis. Papa, t'étais où? T'étais où? Ils ont pas de jungler, ils ont pas de jungler. Attends, oh, ils ont pas de jungler. Non mais Orex, c'est pas mal. Attends, je le tue, regarde ça. Rrrrah. Non, ton poison de merde. T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt?
Ouah non, mais ta gueule. Prochain, je vais te montrer un petit plaisir que j'ai avec Garen aussi. C'est comme jouer à Ken Slash là, tu vois les golems? Vas-y. Je vais bouger dans tous les sens avec ma speed. Ça sert à rien, tu vois. Mais ça me rend trop heureux, je te jure. Genre là, tu vois, il en reste que deux petits. Ouais, vas-y. Ah, le cerveau. C'est trop grave. Je veux tuer le Tam. Si. Vous êtes prêts? Oui. Oh, c'est big. C'est big de fou. L'isopaïne transforme les A en RA. Je brûle le gangplank. J'arrive. Ouais, enculé. 37 minutes de stream, une normale blind avec deux AFK. Dans mon ancien appart parisien, je sors les poubelles, tu vois. Et là, ça se ferme derrière moi. J'avais pas mes clés. Le code pour rentrer dans l'immeuble, il avait changé il y a quelques jours. J'avais reçu un mail, mais je m'en étais battu les couilles. Et j'avais pas mon portable sur moi, du coup, je pouvais pas accéder à Gmail. J'étais pieds nus, sans sous-vêtements, en jogging et en t-shirt, dans la rue, à me dire que je vais devoir camper devant mon immeuble. Le temps que quelqu'un vienne t'ouvrir. Oui. Donc je commence à cogner la porte d'entrée. Pas trop fort, tu vois. Je voulais pas l'abîmer non plus. Mais faire comprendre qu'il veut. Eh oh, tu vois. Et là, il y a une meuf. Elle sort de nulle part. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il n'y avait pas de gardien dans cet immeuble, donc vraiment, je savais pas qui c'était. Elle me fait un petit sourire en mode « Ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vois. » Elle sort un énorme trousseau de clés. Elle m'ouvre la porte et je peux rentrer. Je n'ai jamais su qui c'était. Moi, je considère que c'est un ange qui a pris forme humaine. Tu sais, des fois, il y a des anges. En fait, ils ont les clés, mais de plusieurs immeubles. Tu penses que c'était pas un ange? Non, je pense pas. Ok. Bah, merci à elle, en tout cas. J'avoue, c'est peut-être un maître du jeu. Hein. T'étais bloqué dans ton jeu, dans ta simulation. Le maître du jeu, il vient t'ouvrir la porte. Tu penses c'est genre un admin de la vie? C'est possible en vrai. C'était une admin de la vie. Ratio. Putain, mais quel perso de merde, c'est quoi ça? Si. Bon, elle achète des bamis, je prends un trade, elle est à deux doigts de me 100-0. Si. Non mais je te jure, le skin d'Aldé, mais c'est vraiment le skin que t'as fait chez... Si. Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Je chope. Salut! Oh là là, celui-là il était périmé. Trop mignon la petite lanterne. Si! Je sais pas si le mec troll dans le chat. Oui, bien sûr qu'il troll. Je refuse de croire que c'est un vrai être humain. Il y a un mec qui s'appelle Shibrix32. Déjà, c'est un peu suspect, tu vois. Il dit pourquoi tu bannes Fiora? J'ai joué avec en Aram et j'ai fait 0-14. Non, lui c'est trop évident. Lui c'est trop évident. Putain, ulti maintenant. Merci. En vrai, ça doit être chill de jouer Cartouche Jungle avec des laners qui font ça. Bien joué pour le gang, frérot. Merci. Le truc, c'est que je suis complètement coincé là, je peux juste désonner. Je pense pas que je gagne. Oh, il va quand même gagner, putain, c'est trop cool. Il m'a mis le flash pour me mettre des dégâts. Et fais gaffe au top quand même, elle a. Elle traîne autour, je sais pas si elle fait les raldes ou si elle veut de gang. Oh, je crois que j'ai ma réponse. Bon. Ouais. Oh oui. Ah. Le Ignite incident. Boum. Par contre, attaquez pas trop Orax parce qu'après. Non, je suis désolé, je m'excuse Orax. Il va se sentir mal. Orax, on est jaune Orax, perso. Je sais pas, j'ai de l'autre venir chez toi et merci. Faire caca sur tes murs. Non, fais pas caca. Il va crotter ton domicile. Oh, il est. Il est stun. Tiens, prends ton roi sur Seekers, tu mérites. Bravo l'équipe. Pourquoi? C'est des choses qui arrivent mon frérot, t'inquiète, y'a aucun jugement. Fais un truc. Bah... Fais un truc. Crée. Je crée. Plus vite. Voilà, j'ai créé. Bien joué à toi pour la création frérot. Oh le troll. Le Garen rigolo. Oh, il est rigolo celui-là. J'arrive en mode le Garen drôle. Bah stylé. Faire durer cette game jusqu'à non, faut scale. Pour le coup, faut scale, il a raison. Non c'est pas vrai, c'est ça. Cette merde. Non, c'est bon. Il s'amuse trop, ça me rend aigri. Ça me rend aigri qu'il soit aussi heureux. Mais regarde ce qu'il fait. Non mais c'est juste quelqu'un de chill et tu lui fais ça. Comment ça, juste quelqu'un de chill? Il parle mal dans le chat. Ouais, à cause de toi, je le sais. T'étais pas censé le savoir. Tu es malveillant. C'est toi qui es malveillant dans cette partie, je te reconnais plus. Je te reconnais plus, mec. Alors de conneries, j'en ai entendu, mais celle-là. Je te reconnais plus. Merde, j'ai mis une auto sur un creep. Je mettais une auto sur elle, je l'ai tué. Merde. Orax, t'es sérieux? Elle est trop facile à déclencher, c'est trop bien. Ah, Jésus! Toi, tu m'as sauté dessus. T'es qui pour sauter sur Nasus? Jésus est en moi!
Oui, crève. Vas-y, ça fait. Oh, quoi. Oh.